Ça fait longtemps que je t'ai pas soulevé donc attends. Ah, attends Mégane parce que là t'es dans moi, enfin c'est bizarre là, c'est. Non non en cuillère là. Oh, j'espère que vous êtes pas gouré sur la coupe quand même. Wow oh, parfait. Hop là. Et hop là. Oh la dégaine du bouc frère. Oh, oh seigneur. Alors là, on n'avait jamais fait pire. Alors là, on n'avait jamais fait pire. En... Le jean troué avec la chemise et la cravate et les dunks. Alors ça, les gars, on en a fait hein, des dégaines. On en a fait des persos. Mais là, on a atteint le summum, le max du max de ce qu'on pouvait faire. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Vous me recommandez Blista, Briozo ou Raspoddy? Et Briozo, pour se garer, c'est trop bien. Ok, ben je vais prendre Raspoddy. Ok, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? On va essayer de date la meuf, hein. Même si, bon, Brian, c'est un putain d'enculé, gros. Putain, il faut que je pense à Mégane. Pense à Mégane. Eh, dites-moi, je souhaiterais aller déjeuner. J'ai très faim et très soif. Mais je connais pas d'endroit. Donc je vais regarder sur le GPS. Merci, bonne journée. Oh! Allô? Allô? Vous êtes barbeur? Allô? Allô, vous êtes barbeur? Allô, oui, oui. Vous attendez, excusez-moi. Ouais, je suis barbeur. Vous coupez les cheveux? Ouais. Oh putain! Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes disponible là? J'en ai besoin mais tellement d'urgence. Oui là je suis disponible à côté du Rockford Plaza. Ok oui, j'arrive. Parce qu'on a eu. Est-ce que votre. On se donne rendez-vous sur place. Votre position est à jour sur le web. Alors non il y a eu un petit problème, je sais pas. J'ai du mal à la régler mais c'est juste à côté du Rockford Plaza en dessous de Vinwood. Ça marche, bah j'arrive de suite. A tout de suite. A tout de suite monsieur, au revoir. Qu'est-ce que c'est stylé gros, j'ai l'impression que je suis dans un autre jeu frère. J'ai l'impression que je suis dans un autre jeu des fois quand je joue à la V5. Hey, salut, comment tu vas Mégane? Oh tu m'as fait peur, ça va et toi? Ça va, nickel. T'as bien dormi? Tu veux que je te dise où j'ai dormi? J'ai dormi dans la banquette arrière de ma caisse. Il faut vraiment qu'on aille à l'hôtel en urgence hein Mégane hein. Bah moi j'ai bien dormi dans mon lit d'hôtel. Quoi? T'es sérieuse? Non, j'espère que tu te fous de ma gueule. Je suis allée au coiffeur et tout et tout. Mais enfin, t'es sérieuse? Donc moi je me suis. Moi j'ai dormi avec une coupe de sauvage à l'arrière de ma voiture et toi t'étais à l'hôtel comme ça, nickel. Et attends, t'étais. Ah ouais, et puis le kebab il était bon, le petit jus d'orange aussi. Ça va? Écoute, là j'ai rendez-vous avec le coiffeur, je fais ma position dès que j'arrive, je suis en route. Rejoins. Non, c'est vrai? Ouais. Là, je vais arranger tout ça, là, t'inquiète pas. Je vais redevenir l'homme que. Je passe à l'hôtel parce qu'il faut que je dépose mes affaires, parce que j'ai acheté trop d'habits et du coup. Eh non, mais toi, c'est pas possible, hein. Toi, tu te mets super bien pendant que moi, je galère partout. C'est trop bien. Chacun ses trucs, hein. Eh, Mégane, t'as vraiment pas changé, t'es qu'une égoïste. Comment ça, je suis une égoïste? T'as même pas pensé à moi, j'ai dormi dehors. Ah, tu dormais, qu'est-ce que j'y peux? Bah un petit message, ouais Brian, tu veux venir à l'hôtel? En même temps, attends, ça fait combien d'années déjà? Je veux pas te tenir par la main, hein, c'est bon, hein, tu sais ouvrir une porte. Ouais, c'est vrai. Et tu sais prendre ton téléphone aussi. Ouais, mais bon, minute papillon, hein. Me demande pas trop de trucs à la fois, tu sais très bien, moi je sais faire un truc en même temps. Oh bah oui, bien sûr. Dis-moi, tu saurais me dire où il est le Rockford Plaza? Quoi? Tu saurais me dire où il est le Rockford Plaza? Je crois que c'est celui où je suis allé. Le barbeur, où t'es allé? Il est où l'hôtel déjà? Attends, non, je regarde. Perdu. C'est celui qui est. Hop. Juste. Ouais, en plein milieu de Vinewood en fait, quoi. On va dire à droite du Los Santos Custom. À droite. Ah, je vois. Des... Ok, je vois. Okay, c'est bon? Je vois. Ok, bah écoute, je vais au coiffeur, je te rappelle. Rappelle-moi. Gendarme, vous allez pas? Hein? Oui, ça va. Ouais, d'ailleurs, petite question, t'as dormi solo à l'hôtel, hein, j'espère. Allô? Je lui fais pas confiance à cette gonzesse, hein. Bon, allez, de toute façon, là, je vais aller me refaire ma coupe. Et dès que je refais ma coupe, je reviens dans le game. Là, je suis un peu dépassé.
Mais si même Kyle il a eu une gonzesse, t'inquiète pas. En fait, je suis un peu perdu parce que je me dis, est-ce que j'essaie de récupérer Megan à 100%? Je lui la demande en mariage et je la pécho. Enfin, ça serait enfin ma femme officiellement et elle accepterait enfin. Ou alors, parce qu'il y a plein de gonzesses ici à Los Santos. Hein. Nous, à Hawaii, il y a que des. Il y a Hawaii quoi. Ton site. Attends, j'ai le client qui est là. Je te rappelle après si tu veux. Oh la dégaine. Bonjour monsieur. Eh bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, 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 et vous? Oula, vous avez une coupe à la Elvis Presley là? C'est pas volontaire du tout, j'aimerais enlever ce massacre s'il vous plaît. D'accord, on va voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Rapprochez-vous du siège. Juste ici. Qu'est-ce qu'il vous fallait C'est moi, il part super fort. Alors moi, ce qu'il me fallait, monsieur. Attendez, parce que je suis pas très bien mis dans le siège. J'ai un peu le cul entre deux chaises quoi. Ouais, ouais, mais bon. Attendez, les sièges sont pas réglables, c'est le mieux que je peux faire. Monsieur, si juste vous pouvez, éviter de me crier dans les oreilles un petit peu. Excusez-moi, ouais. Ah, merci. Merci parce que vous parlez bien, bien fort. Hein. Ouais, ouais, je sais, c'est pour essayer de me comprendre, pour mieux faire comprendre. Ok. Du coup, ouais, je vous comprends très bien, y a pas de soucis, c'est la loose. Alors, du coup, d'accord. Moi, dans l'idéal, ce qu'il me fallait, c'est une coupe spécifique. Donc, c'est la coupe que j'avais depuis mon plus jeune âge. Et j'aimerais la retrouver, quoi, retrouver... cette identité. Excusez-moi, j'ai un appel. D'accord. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu la coupe Ouais, bien sûr. Ouais, Megan, allô. Je suis avec le coiffeur. Bah, je peux pas savoir. J'ai raccroché sans le vouloir. Qu'est-ce que tu me disais? Ah, je te disais, j'espère que t'as dormi solo à l'hôtel. T'as pas dormi avec un. Avec qui? Avec un autre mec. Oui, hein, réception. Enfin, celui de la réception. Ouais, ouais, il était gentil. Quoi? Il a proposé pour faire bouillotte. J'ai accepté, hein, du coup. Megan. Franchement, il faisait super froid. Hein. T'as dormi avec le mec de la réception? Désolé, monsieur. Ah, ouais. Bouillotte naturelle, super bien, c'est vachement bio, hein, très végétal, très très végétation d'ailleurs. Attends, donc là à l'hôtel, t'as passé une nuit à l'hôtel avec le mec de la réception, Megan, tu trouves ça normal? Mais t'es désolé, bête, bien sûr que non. Ok, ouf, parce que là j'étais en train de passer pour un imbécile devant le mec de le coiffeur. Hein. Okay. Pas de problème, pas de oh, problème. Je te fais confiance. Hein. Par contre, toi, au bout d'un moment, faut que tu m'expliques comment oui. Ça, t'es dans des coins. Enfin, tu te fais prendre dans des coins par des Lost, j'ai pas compris. Ah ouais, non, mais c'est une longue histoire, mais en fait, ils m'ont pris à trois dans un coin. Et ils m'ont retourné et après je savais plus quoi faire. Ouais, parce que bon, hein, ils m'en ont dit des choses. Qu'à ce qui paraît, je portais la culotte, etc. Et que t'en avais marre et tu voulais te rebeller. Non, moi j'ai jamais dit ça. Bon, pas de couilles. Voilà. Après, je leur ai dit de toute façon, de toi à moi, hein, petit bouquetin, ce serait pas la première fois. Hein. Ouais, Megan, je raccroche là. Et c'est moi qui raccroche. Hein. De quoi? Attends. Ah là, les femmes, c'est compliqué, non? Ouais, ouais. Surtout comme j'ai beaucoup de caractère, moi, et qu'elle elle en a pas trop, bah, du coup. Faut savoir se respecter. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, on peut passer à la coupe. Ouais, ouais. Alors, dites-moi, c'était quoi comme style Alors, en fait, vous voyez la coupe du BG, du mec super BG qui est un peu en arrière, un peu avec du gel. Ouais. Cheveux mi-longs, un peu avec du gel en arrière. Eh ben, c'est ma coupe. D'accord, attendez, je regarde, c'était quelle couleur qu'il vous fallait? Ma couleur là, actuellement là. Actuellement, un petit peu blond, vénusien. D'accord, ça marche. Attendez, je vais essayer de voir. Hein. Oh, si je peux essayer de voir ça avec vos cheveux, je vais déjà regarder quel type de cheveux vous avez. Vas-y, oh, je t'en prie. Je t'en prie, ouais, ouais, j'ai des beaux cheveux soignés. Hein. Ouais, ouais, attendez, j'ai appliqué tout ce qu'il faut. Putain. J'ai trop hâte de revoir le vrai Brian, sérieux, j'en peux plus de cette fraude là. Mais du coup là, on est d'accord quand le perso est zoomé, alors... c'est le vrai Brian, rien à voir avec Kyle les gars, arrêtez. S'il y a des traits de blond, un peu blond vénitien, c'est ça? Ouais, c'est ça, comme ma couleur actuelle quoi. La grave du flow, la cravate, t'as vu Walco, je kiffe moi. Vous avez des mèches ou pas du tout? Ouais, un petit peu de mèche blonde, ouais. C'est-à-dire que mon teint était un peu vers le marron, un tout petit peu vers le brun, ouais, ouais, je vois. Mais j'ai des mèches blondes. D'accord, ok. Oula, attention avec le ciseau. Faites attention, baissez la tête un peu s'il vous plaît. Ouais, je baisse ça. Voilà. Hop là. Ok, alors. C'est parti. Alors. Le grand moment. Oh là là. Ah bon, après, si la couleur vous plaît pas, on peut essayer de rajouter un peu de produit pour. Ok, ok, ok. Pour que ça aille bien. J'ai le trac un peu là. Hein. Alors. Allez. J'applique le produit. Après, c'est logique qui te ressemble. Ouais, bah ouais, clairement.
Ah, vous avez pas mal de cheveux, c'est compliqué. Je vais essayer de taper sur le dessus parce que vous avez une grosse soupe quand même. C'est okay. Assez sévère. Ok. Oh, j'espère que vous n'êtes pas gouré sur la coupe quand même. Normalement, non. Vous pouvez vous décaler. Vous pouvez vous décaler. Ouais. Wow, c'est parfait. Oh putain, je revis. C'est enfin. Bon, vous avez ce qu'il vous faut. Oh là là, enfin de retour. Oh là 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 là, ça fait du bien. Content que ça vous plaise. Ah bah ça. Content que ça vous plaise, monsieur. Ah bah ça, si vous saviez, ça fait tellement longtemps. Oh putain. Oh, je suis beau. Oh, c'est espèce de beau gosse. Oh putain, client satisfait, client qu'on va allumer sur le prix. Mais ça, ça fait plaisir. Non, non. Sur les prix, vous inquiétez pas, je suis... Oh putain. Oh, ça m'avait manqué, sérieux. Wouh. Ah bah écoutez, content que ça vous plaise. Brian is back, bitch. Pardon. J'ai cru me sentir avec un peu de courage. Pas de problème, pas de problème. Du coup, je vous dois combien, chef? Alors, je vais vous faire une facture de 100$. Ok, ça marche, faites-moi la facture. Oh, let's go, Brian! Putain, j'en pouvais plus de ces clochards là. Avec le. Parfait. Nickel. Bref, j'ai pas parlé. Ok, bah écoutez, c'est parfait, je vous remercie. Et puis, ça m'a fait du bien, un bon coup sur la girafe là. Et ouais, bon là je vous ai fait un petit. Le produit, faudrait le faire tous les. Faudrait le faire tous les 6 mois pour que au niveau de la Ok, coupe, ça bah soit dans nickel. Tous les cas, je repasserai vous voir si jamais. Parce que je suis quelqu'un qui change souvent de coupe, de barbe. Ça marche. Donc vous inquiétez pas, comptez sur Bah moi. Écoutez, je risque de changer de coiffeur parce qu'il y a eu un problème au niveau des locaux. Ok. Je vais devoir changer peut-être, mais de toute façon, dans tous les cas, je vais faire ma. Dès que je change, je ferai une page web. Ok, ça marche. Ouais, ben, dans tous les cas, maintenant, grâce au web, il y a tout qui est connecté. De toute façon, vous inquiétez pas. C'est ça, c'est pratique. C'est vraiment donc, pratique voilà. Pour les entreprises, là, c'est vrai. Bah, allez, je vous remercie. Au revoir. Passez une bonne journée, monsieur. Bonne journée, merci. Au revoir. Comment c'est kiffant, t'es là. T'as besoin d'un truc? Tu vas sur le web, t'appelles le mec, il t'attend, rendez-vous et tu fais le bail. Ah non, c'est trop bien. Non, franchement. Franchement, cette V5, elle, rien à voir. Hein. Rien à voir. C'est ma caisse, ça hein. C'est pas, ouais. OMG le FaceTime pour montrer la coupe. Oh let's go, bien vu mec. Bien vu mon petit rare. Alors on va juste baisser le son du volume de la sonnette et du volume de la message. Et on va répondre à la message aussi. Qu'on a reçu la message. Tu devais pas m'envoyer la position toi. Hop là, et on va FaceTime avec Megan. Megan Carter. Megan Carter. Un péno. Mais non, il y a les pénos là. Ah oui. Oh bordel, mais attends, je suis dans ma voiture. Mégane, regarde. Bon, regarde, je suis toute seule, d'accord. Ok, c'est bon, je te crois. Mégane, regarde, t'en penses quoi de la coupe? Ça t'a pas manqué là, ce enfin, beau gosse? Bordel, merci, merci. Ah, tu retrouves enfin l'homme qui t'a séduit il y a quelques années à Los Santos, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu mets des filtres hein. Ouais. Tu sais, ça me fait penser attends, à quoi en même temps. Ça me fait penser à, tu sais, les mecs qui mettent des snaps et qui mettent de la musique et qui filment leur volant de caisse là. Attends, change rien, je mets une musique. Faudrait que tu te mettes à fumer, comme ça tu sais, tu fais sortir la fumée de ta bouche, très sensuellement là, et puis fais de la muscu aussi, hein. Ah, je suis mort. Attends, change rien. Vas-y, mais filme bien le volant. Et là, c'est carrément. Au mieux que je peux là. Et là, c'est carrément un snap là. Là, c'est carrément un snap story. Attends, montre-moi où t'es, je sais pas où. Et je suis au coiffeur, je t'ai envoyé là, tu sais le coiffeur, celui que tu m'as dit. Tu es de Rolfark Plaza. J'étais allé, putain. Oh, vas-y, je t'envoie la poste. C'est cette rue ou c'est au-dessus? Je t'envoie la poste, de toute façon, regarde tes messages. J'attends, je suis sûr que je paye. Les gars, y'a combien? Y'a 2-2 là, Maroc. Algérie? Oh putain, oh la pression. Oh la pression. Ok, petite pause en RP, là les mecs, 2 minutes. Laissez-moi 1 minute. Je peux jurer que Gamingo fait des snaps comme ça. 3-2 pour l'Algérie, non. Mais c'est incroyable. Ah, non, mais c'est le serveur, les gars, c'est une dinguerie. Elle arrive là, je crois, Megan. J'ai pas volé. Elle devrait pas tarder. Ah, elle est là. Tire au but au péno. Aussi, hein, c'est jamais. Eh bah, tu t'es mis bien, toi, hein, ici à Los Santos. Hein. T'es vraiment bien sapé. Regarde-moi la dégaine. J'ai mon hôtel qui est plein de vêtements. Mais... Regarde ma dégaine d'enculé que j'ai, moi. Bah, c'est toi. Ouais, c'est moi. Ça me choque pas. Bah, ouais, je sais. Mais c'est moi. Ah, mais je veux dire que. C'est joli. Ah, deux. Mais je veux dire. Non, ce que je voulais te dire, c'est que moi, c'est une bonne dégaine à la Brian, tu vois. Et que. Bien sûr. Et que j'en ai vu avec des dégaines, par contre, c'est vraiment intéressant. Hein, Alors, attention, aujourd'hui, je suis quand même allé faire quelque chose. Hein. C'est quoi tes chaussures?
3-3. Je sais pas, c'est des blanches. J'ai trouvé super joli. Tu sais, Mégane, là, que j'ai la pression aux fesses parce que, en fait, il y a, les deux équipes nationales du pays, là. Donc, Hawaï et c'est quoi l'île qui est collée à Hawaï? Taïwan et Haïti. Ah, moi, tu sais, à chaque fois, juste, je vais dans l'eau. C'est toi qui as voulu qu'on aille là-bas. Voilà, moi, j'aime bien juste les petites tortues que j'ai adoptées qui remplacent mes chèvres. Oui, mais c'est comme si Tahiti et Haïti, là, ils étaient en train de s'affronter et qu'il y avait 3-3 au pénal, là. Là, j'ai les fesses qui serrent, là. Ah, bah, ça resserre. Hein. Ah, bah, là, ça sert, ouais, ça, c'est le cas de le dire. Dis-moi... Bon, du coup, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Ouais, remarque-le, ou à part la coupe des cheveux. Hein. T'as fait quelque chose? Je te laisse me regarder. Putain, le foot ou Megan? Putain, le foot ou Megan? 3-4. Ah, tes ongles! Ouais. T'as fait tes ongles? Oui! Bah, franchement, c'est bien! On va à l'hôtel! Je sais, regarde! Le mec, ça va les couilles! Mais vous, les gonzesses, vous aimez trop les ongles, mais nous, je vous dis la vérité, hein. Nous, les mecs, les vrais mecs, on s'en bat les sous. Donc, quand je te gratte la tête avec, t'aimes pas du tout. Tu préférerais des gros boudins qui sont là à te faire foum-froum sur le crâne. Ouais, mais bon, c'est vrai qu'il y a des avantages. Voilà, merci, je préfère. Le Maroc a raté. Oh non, misère. Bon, ça y est, moi j'arrête. Et puis bon, la petite chemise verte, je l'ai bien aimée aussi. Non, franchement, ça me fait penser à. Tu sais, quand on s'est rencontrés, t'avais toujours une petite chemise verte. Par contre, t'as changé de lunettes, hein. Tu te rappelles les lunettes que t'avais? Non, mais ça, c'est juste parce que je vieillis un petit peu aussi, hein. Donc de temps en temps, je les mets, celle-ci. Hein. D'ailleurs, il faudrait que j'aille m'acheter quelques accessoires, moi aussi. Dis-moi, tu peux me ramener à l'hôtel? Tu peux me ramener à l'hôtel? Je sais pas où il est, moi. T'es sérieux? Non, je suis. Mais tu t'es pris une. Je te rappelle que je dors dehors comme un clochard, hein. Dans ta voiture. Dans ma voiture, non, mais ouais. Tu t'es pris une chambre ou pas déjà? Non, pas encore. Bon, bah, du coup, c'est pas à l'hôtel qu'il faut qu'on aille en premier. Ah, mais Megan, dis-moi, t'as l'air de bien connaître Los Santos, hein. T'es sûr que t'étais pas venu avec Kyle, toi? Ah, peut-être avec Kyle. T'es pas revenu avec Kyle, toi, à Los Santos? On dirait que c'est comme si t'es. Bon, je sais plus. Quoi? Non, par contre, Megan, moi, je te dis un truc. Parce que tu vois, la relation que t'avais avec Brian, avec Bane, je l'ai. Voilà, hein. Avec Bay? Bane. Bane. Ah, ok. Tu sais, mon meilleur pote. Oui. Eh ben voilà. Ah, bah, non, mon meilleur pote, le crocodile, là, tu te rappelles? Ah bon? Ah, bah voilà, c'est ceux que j'ai vu tout à l'heure! Non, Megan, viens en avant, s'il te plaît, viens, on continue à marcher. Bonjour, brillant. Bonjour, ça va, la forme, nickel. Megan, avance. Bon, allons-en. Allez, du coup, il te propose une capitaine, chambre respect, capitaine. Pendant une semaine. Attendez, j'arrive, je vais dire bonjour à mon capitaine, hein, deux minutes. Ah, excusez-moi, je vais me bloquer. Vous êtes train de biker encore? Oui, non, capitaine, c'est moi, Brian, officier 1 du LSPD. Brian, oui. Brian Anderson, oui. Voilà, je vous passais juste le bonjour, quoi. Voilà, et je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis peigné la girafe, donc ma coupe. Ça va bien. Ça va mieux, ouais. C'est mieux là. C'est beaucoup plus professionnel. Ah, bah ça. C'est vrai qu'avec le rond d'Elvis, c'était pas trop ça, quoi. Nos amis des Lost, ils vous fichaient. Ah, un petit peu, ouais. Bah, c'est quand je suis en Saint-Ville, mais bon, voilà. Vous savez, hein. Vous persécute, c'est ça? Oh, persécuter, c'est un grand mot. Il me pique mon goûter, quoi, on va dire. C'est gentil. Et là, ils ne font pas qu'à moitié de piquer votre goûter, regardez. Il me pique aussi ma femme, ouais, pour le coup, là. Mais, mais je vais y retourner. C'est votre compagne. Compagne, elle aime pas trop dire ça. Moi, ça me dérange pas. Mais disons, bonsoir. C'est la mère de mon. Bonsoir, de mon gosse, ouais. Comment allez-vous? Et ça va, et vous? Ça va, nickel. Ça va, Megan, je te présente les capitaines, même si je pense que tu les connais bien déjà. Et, c'est moi qui lui ai passé le trousseau, oui. Vous savez. Oui, je sais, oui. Oh, très jolie barbe. Ouais. Ah ouais, j'avais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, putain. Ça met du temps chez lui. Ah ouais, mais ça, c'est pas mal du tout. Très jolie barbe, capitaine. Ouais, bah, c'est mieux que synthétique d'hier soir. Hein. Par contre, juste capitaine, mais l'autre capitaine, vous trouvez pas que la moyenne d'âge au LSPD, elle est de 46 ans? Par hasard? Bah, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que. Mais non, c'est pas ça, c'est pas contre vous. C'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de... Il y a des gens de notre âge. Des gens de notre âge, quoi. Il y a beaucoup de... Mais où est passée la jeunesse à Los Santos, bon sang? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, j'ai le fil fleuron. Pas de maturité, c'est pas plus mal. Ouais, c'est vrai que là, on va bien se marrer avec les quarantenaires. Hein. Ah, vous avez quel âge, vous? Moi, dans une conversation, c'est... pareil, la quarantaine, moi.
Non. Oh, 30, oh, il a 37. 37, c'est à peu près. Oh, il a 35. 35, ouais. Ah oui, c'est... Ouais, donc... Oh, misère et vous, de misère. Madame, vous avez combien de gens? 36. 36, oui. Et vous, monsieur à ma droite? 35, ben non, moi. 38. Ah, mais c'est qui le monsieur à votre droite, d'ailleurs? Ah, c'est une bonne question. Officier 3 Day, ah aussi. Ah, bonjour. Ah, vous êtes officier 3? Non, parce que comme vous êtes incrusté dans la conversation, on sait pas... Non, non, je cherche le loueur de véhicules. Les gars, cassez pas les couilles avec, avec l'âge, les gars. Cassez pas les couilles avec le background, s'il vous plaît. Bah, vraiment, c'est pire là où je montre. Les gars, il y a une zone d'ombre dans le background. Oh, tout le monde le mais sait. Faut aller plus s'il loin. Vous plaît, passez outre ce qui vient de se passer. Et ici, c'est pour l'hôtel. On voulait pas jouer des mecs de 50 ans. Genre, c'était relou, tu vois. Il y a une pardon. Sur la planche. Ok, bah, je voulais vous laisser, capitaine. Bah, bon courage et bonne journée à vous. Moi, j'ai vraiment passé ce soir en patrouille. Bonne soirée, Dieu merci. Amen. Au revoir. Bisous. Bonne soirée. Bonne patrouille. Amine, amen. Bon, du coup, tu lui parles et puis il est très généreux. Il va te t'offrir une petite semaine pour que tu payes ensuite la suite. Gratos ? Oui, oui, la première semaine. T'aimes bien quand c'est gratuit, hein ? Ah, ça, j'aime bien, la gratuité, là. Bah, écoute, moi, j'ai la chambre 317 à l'étage 11. Bon bah j'ai l'étage 5, du coup... Et tu veux pas qu'on dorme dans la même chambre? Ouais, c'est compliqué là. Oh putain. Ok. Quelle est votre... Oh putain, il y a Stelv. Première expérience. Bah tu passes avant de dormir qu'on se fasse un Netflix and chill. Ouais, au pire on a qu'à faire ça. Ah, il y a tous les téléfilms de Noël en ce moment, j'adore. Ouais, moi aussi j'adore. Dans une entreprise, genre. Oui, je suis au Marie-Christ. Oh putain. Attends, mais elle veut qu'on trempe la biscotte là, c'est un truc. Ouais, c'est bon, mais t'en as pas déjà assez avec un gosse? Salut, Svelte. Avec un quoi? Attends, Svelte, on va à l'hôtel, viens. Envoie-moi un message. Attends, deux secondes, je vais choper le num à Svelte, j'arrive. Svelte, note mon. Chef d'équipe. Svelte, note mon num. Note mon num, Svelte. Vas-y, donne-moi ton numéro. 53-86. Bisous, Svelte. Je vais à l'hôtel. Ok, je suis là. Putain, tu te poses. Super. Ah, mais. Quoi? Ah, mais je veux dire, tu te poses bien. Tu tiens. J'ai compris autre chose. T'as compris quoi? Belle pose de pute. Ah non, non, pas du tout. Je me permettrai pas d'insulter la mère de mon gosse. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai jamais insulté de connasse, hein, moi, à ce que je sache. Non, pas de connasse. Par contre, elle veut que. On fasse des trucs là, le soir à l'hôtel. Mais moi, le soir à l'hôtel, je dors. Aïe! Ça va? Aïe! Oh, je l'ai tamponné. Vous avez fait une collision. Ah ouais, je lui ai mis en plein dans le derrière. Je suis rentré en plein dans le derrière. Ta carrosserie, elle est en train de sortir, man. C'était... Oh, ouais. Ok, c'était une bonne collision. Ah ouais, merci. Et c'est ma faute. Bon, ben... Non, mais non. En fait, je vous ai entendu crier, donc je me suis arrêté. Ah ouais. Il faut regarder les rétros, madame. Mais moi, j'étais en train de penser dans ma tête au Netflix and Chill que tu me parlais tout à l'heure. Du coup, moi, j'ai même pas fait gaffe. Mais c'est le destin alors si vous avez collisionné ensemble. Non mais c'est... Bah la collision elle est faite, on peut aller se coucher On a un gosse ensemble déjà monsieur. On est un peu sur la route là et on va se faire... Ah c'est votre femme? Ouais ouais. Moi je suis dans la voiture. Pourquoi? Pourquoi cette question là? J'aime pas du tout ça hein. Mais non, c'est ta femme. Quand ça me dit ça, c'est pas bon hein. Monsieur, vous avez des échos sur elle ou pas? De quoi? Bon, vous avez des échos sur elle ou pas? C'est votre non, femme, pas vraiment du tout, en fait. Ouais, ouais, c'est vraiment ma gonzesse. Jersey, là. Ah, ok, fou, vous m'avez fait flipper. Donc, Oh putain. Ouais. Parce que quand j'entendais, mais non, jure, c'est ta femme, ça sent pas bon du tout. Hein. Attends, monsieur. Ouais, je dois y aller. Vous me déposez, s'il vous plaît. Mais je dois. Je vais juste en face à l'hôtel. Bah, montez, si vous voulez. Montez. Ah. Montez, mais je te dépose en face, quoi. Bah, y'a une place, en fait. Ah merde, eh bah, pousse la caisse. Non, mais c'est bon, ça va aller. Ah, putain. Ouais, montez, les mecs, montez. Mais... Montez, ça me fait plaisir, montez. Ok. Ah merde. Mais... Ok, d'accord. Dois aller à Vanwood. Quoi? Ah merde, mais descendez en fait. Ok, on descend alors.
Bah du coup. Bon bah du coup voilà hein, au revoir. Aïe. Ouais, bah ouais, bonne soirée du coup. Aïe. Aïe ma caisse. Mec. Non. Mec, déconne pas mec, c'est ma seule caisse. Alors moi je suis pas responsable de tout ça, d'accord. Oh l'enculé. C'est un enculé lui. Embarque, tu fais quoi? Mais non, laisse-lui sa caisse, il va au motel, laisse-le, c'est bon. Je vais au télo, arrêtez. Dit, faut qu'on se fasse petit là. Désolé. Je vous rappelle que je suis capitaine de police. Ah, c'est ça un de prank, porter plainte. C'est un prank. Je rêve ou tu t'étais déjà fait voler ta voiture? Non, tu rêves pas. Ah, c'est terrible. Hein. Ferme ta voiture, je te le dis à chaque fois. Megan, je te rappelle et je te le dis toujours hein, depuis 20 ans, t'es la gonzesse de. T'es pas. T'es vraiment le seul. Hein. En fait, le problème c'est que la qualité. T'es la mère de Kyle, t'es pas ma gonzesse. Ouais. Ok. Enfin, t'es pas ma mère. On dirait que je t'ai appris beaucoup de choses dans la vie, hein, je te le rappelle. Oui, mais le problème c'est qu'à chaque fois tu penses que t'es aussi ma mère à moi, t'es que la mère de Kyle. C'est spécial. Salut, ça va bien les jeunes hommes? Bonsoir de nouveau. On a combien déjà? Étage 5. Ok. Bah c'est chez moi ça. Ah merde, étage 11 alors. Bon, je t'invite. J'ai pas l'habitude de ramener des meufs à l'hôtel, hein, donc des gonzesses à l'hôtel, donc je. Exceptionnellement, je vais faire une exception pour toi, Megan. Hein. Ça se voit là, ouais. Alors, là c'est pas ma chambre. Là c'est pas ma chambre. Oh, c'est à le bout. Je crois que c'est celle-là. Non. ça sent. Ah, non, me dis pas, j'ai le bout. Allez, on va de l'autre côté. Ok. Bah, t'es où? Ah, je suis là. Non, il y a deux autres allées, il y en a une à gauche. Une à putain, avec l'âge, t'as pas perdu. T'as perdu quoi? Parce que tu sais, t'as un nouveau pantalon et tout. Ouais, laisse tomber. Du coup, la chambre, c'est la 317, je crois. J'ai pas du tout compris, hein. Ah ouais. T'inquiète. Tu sais, comme ils disent les jeunes tweetos, t'es une D1 anglaise. Alors là, j'ai rien compris. Ouais, laisse tomber. Bon, non, c'est pas là. Ah, si, une petite chambre là-bas, on dirait. Ouais, hop. Parce que là, regarde, tu vois, hop, c'est vert. Normalement, faut que ce soit rouge. Hein. Ah, quand c'est rouge, c'est quand la poignée est rouge, c'est pour moi. Ouais. Oh. Bah voilà. Bah c'est parti, let's go. Allez, t'as la chambre 708, mais la carte numéro combien? 317. Putain, elle est dure ta porte. Attends, elle est super dure. Putain. Mais si tu pousses et que je pousse, comment qu'on fait? Mais arrête. T'as du mal? Oh putain. Attends, mais viens, je vais te porter. Hop là. Ok, attends. Nickel. Ah ouais, si, vas-y, porte-moi. Vas-y. Tu veux que je te porte? Ouais, vas-y. Alors, ça fait longtemps que je t'ai pas soulevé, donc attends. Comment je fais pour porter quelqu'un? C'est quoi déjà la commande? Non, mais porter vraiment dans le premier degré, hein, pas au. La commande pour porter quelqu'un. Carry player. Ça va? Bah ouais, toi. Carry player, ça marche pas? Ça va super bien, hein. Ok, bah écoute, j'ai pas de force. J'ai pas de force. Donc j'arrive pas à te soulever. Pour pas elle est assez petite par contre, la chambre. Hein. Pas ce que tu vois, j'ai... Ouais, non, hop, j'ai pas les clés de ton tiroir. Ouais, touche pas. C'est mon tiroir. Bon, ça suffit, après c'est une chambre d'hôtel, hein. C'est pas un appartement ou une maison. Ouais, en vrai ça suffit hein, de quoi mettre ses clés, 2-3 tenues, 2-3 t-shirts. Je vais voir ta salle de bain, je vais peut-être te piquer du gel douche aussi. Ouais. Oh, wow, la salle de bain. Ça change du service à Hawaï, hein. Ah, pour une fois, t'auras pas besoin de baisser la cuvette. Oh, parfait. Ah bah franchement, je vais être bien là-dedans, moi. Du conjoint et de l'enfant, c'est magnifique. Tu disais? Je disais, t'as pris ton service toi ou pas encore? Non, pas encore, je le prends pas aujourd'hui, je suis fatiguée. Ah, attends.
Fais voir si c'est confortable. What? Attends Megan, parce que là... What? Attends Megan, parce que là t'es dans moi, enfin c'est bizarre là, c'est... Non, non, en cuillère là. Ouais, mais moi tu sais, je vais un peu timide. tu sais très bien hein, que moi la première fois j'étais rempli de sueur et tout. OMG, le titre YouTube. Ouais. Bah, en vrai de vrai, la première fois était courte, mais heureusement il y a eu plusieurs premières fois si je puis dire. Oui, mais moi tu sais très bien que moi c'est mon seul truc négatif. Hein. Après, il n'y a que des points positifs avec moi, Megan. Je suis juste un gros coincé, mais sinon le reste ça va. Ouais, parce que justement, il y a trop de trucs auxquels t'es fermé, donc bon, faut attendre 1000 ans pour que tu te décoinces. Bah non, mais t'inquiète, moi, ça ira. Ah, il y a eu un peu trop de moi, là. Ouais, c'est parce que, tu sais, à chaque fois, ça monte et après, j'ai chaud, et j'ai de la sueur et tout. Ouais. Bon, allez, t'avais quoi d'autre à faire? Ouais, du coup, alors, la coupe, c'est bon, l'hôtel, c'est bon, j'ai trop envie d'aller au concessionnaire pour mater les nouvelles caisses. On devait aller où, là? Là, direction. Alors, on a trois trucs à faire. Le permis, les accessoires, ouais. les nouveaux véhicules. Nouveaux véhicules, ça va te motiver pour le permis. Ah, ouais, vas-y. On fait les choses dans la logique, sinon toi tu vas faire de la merde. Véhicule. Oh là là, putain, ça me fait tellement plaisir d'être à Los Santos avec toi, Megan. Tu sais, ça me rappelle. Ouais, ça me rappelle nos années. Mais tu sais ce qu'il faudra qu'on se fasse. On n'est pas mignon quand même dans notre petite caisse là, en vrai, Megan. Bah si, et puis franchement, comme ça, on se fera un petit week-end à aller se manger une glace sur la plage. Alors là, non, compte pas sur moi. Hein. Mais si, avec juste un petit t-shirt non. qui vole comme ça de temps en temps au vent. Hein? Ah non, moi c'est pas mon truc, hein. Moi je t'ai déjà dit, hein. Moi c'est foot, bière. Ah bon? Ah ouais. Mince alors, comment je suis trop déçu, Brian. Mais ça va pas la tête? Ça va pas la tête, là? Ah pourtant, à Hawaii, t'y allais bien sur la plage, hein? Non. Si. Même qu'une fois, tu t'es posé contre un cocotier et tu m'as dit, oh là là, Megan, prends-moi en photo. Non. Je t'ai gardé la photo. Non. Tu me fais chier, je la montre à Kyle, là, moi je te le dis. Hein. Non, arrête. Tu vas perdre la virilité du père. Arrête, hein. Parce que Kyle, déjà que j'ai du mal à... Tu sais que j'ai toujours... À chaque fois qu'il y a Kyle, par exemple, je sais pas, je peux être en train de... d'être dans une posture de... Tu vois, de... Ben, le Brian, quoi, moi. Et quand il y a Kyle, je redresse un peu la posture. J'essaie d'être un peu plus de caractère. Pour qu'ils se disent, mon père c'est quelqu'un, et ça marche, hein. Parce que je sais que je suis vraiment sa fierté à Kyle. Bah je sais. Mais le problème c'est que s'ils savaient réellement à quel point j'étais complètement dépassé par les événements. Mais attends, j'y pense, il traîne beaucoup avec Santana, du coup il est peut-être plus. Hein? Je te jure, hein, j'espère que t'as fait les préventions, hein, parce que alors attention, si l'autre là, elle arrive avec un putain de mioche, moi je crise. Oh mais t'imagines la gueule du mioche. Là pour Noël, quand on rentre hein, pour lui offrir tous ses petits cadeaux et qu'il nous dit moi aussi j'ai un cadeau pour vous. Pourquoi on est là? Mais t'es con. Pourquoi on est là, Megan? Putain, mais tu me gaffes. On devait pas aller au concessionnaire? Là je frotte bien les jantes là. Ouais, frotte bien. J'ai cru que t'avais dit autre chose. Non. Je sais que je m'avais dit je te frotte la jante. Putain, Megan. Oh, lui, bien misère de misère. RP, coupe mon souffle. Vous parlez de l'autre. Allez, on regarde les voitures. C'est parti. Non, c'est une musique qui dit frotte le bas de caisse. C'est Cal qui me l'avait écouté. Frotte le, je bégaye sa mère. Frotte, ouais. Putain, je bégaye vraiment tout le temps là, c'est infernal, non? Ouais, clairement. Ok, bah tu sais quoi, je vais essayer de régler ça. Megan, est-ce que tu m'entends là, bordel de merde? Ouais. Ouais. Oui. Et tu faisais exprès là de pas m'entendre depuis tout à l'heure? Tu parlais pas tout court. Ah bah ma vieille, va falloir faire un petit tour chez le médecin. Hein. Alors pardon, mais c'était pas moi le problème. Alors pardon, mais je te rappelle que t'as que 35 ans et que t'as déjà des problèmes d'audition. J'ai 36, c'est toi qui as 35, idiot. Ouais, c'est à prendre. Ah putain. Je fais RP mort. Je fais RP mort, ça.
On va voir pendant combien de temps elle va s'en battre les couilles. Ça va mieux? Non mais ça va encore. Attends Megan, j'ai un appel. T'inquiète, ça va bien. Allô? Ouais, Svelte, tu vas bien? Ouais, ça va, tu fais quoi? Là, je suis au concess, là, je regarde les caisses. Et toi? Ah, ok, je me suis fait un pote, faut que je le présente. Vas-y, ça marche. Et tu t'es. Et c'est quoi ta caisse préférée, toi, du coup? C'est la IC Sport. Vas-y. Non, mais. Putain, Svelte, faut vraiment que tu fasses un effort. Non, mais de famille, on aime bien cette voiture. Non, mais de famille, d'accord, mais moi, j'avais un Bowler, mon fils, il a un Rebla. Et puis moi là je vais passer sur un nouveau véhicule quoi, histoire de me mettre à jour. C'est quoi ton nouveau véhicule? Eh ben je sais pas, justement je vais regarder là, je suis avec Megan. Ok, mais il faut que je te parle de Megan et il faut pas que tu le prennes mal. Il faut que tu arrêtes de me parler de ma femme tout le temps, Svelte, hein. Tu veux la pécho ou quoi? Non, j'ai vu quelque chose tout à l'heure. T'as vu quoi de Megan? De quoi? T'as vu quoi? Tu répètes pas? Non, je répète pas. Attends. Bah... Megan. Ouais, Svelte, je te rappelle. Quoi? C'est pas lui le mec multicolore? Bah ouais, mais y'a pas la sacoche. Du coup, non. Il a dit y'a pas la sacoche et il a pas la sacoche. Ok. Il est où, Svelte? Par contre, Svelte, il m'a encore dit une histoire que t'as fait, Megan. Hein. Bah, je fais quoi encore? Je sais pas. Pas super. Moi, je vais commencer à le croire, Svelte. Hein. Bon, après, je fais passer quand même. La merde de mon gosse avant mes potes. Une histoire est une histoire, mais si t'aimes les histoires, y'a pas de soucis. Moi, je préfère la réalité. Bon, tu regardes les voitures ou pas? Moi, j'ai déjà fini. Ok, alors, laisse-moi le temps. Et c'est quoi, du coup, t'as préféré, toi, Megan? Que je te l'offre Je te l'offre la semaine pro. C'est ça, ouais. N'oublions pas que je me suis toujours tout acheté toute seule, donc on va se calmer. Hein. Oui, mais à chaque fois, moi, j'ai envie de te l'offrir, les choses. Et c'est l'intention qui compte. Et que si tu, si tu te l'offrirais pas toi-même, eh ben, je te l'aurais peut-être acheté un jour. Hein. Ouais, c'est cela, ouais. Allez, regarde. Ouais, là je regarde, là je suis dans les coupés. Ok, bon, il y en a pas une qui me plaît bien. Ah, quoique la Ubermacht Sentinel Sport elle est pas mal. Ok, les grosses cylindrées maintenant. Oh, elle est pas mal la Dominator ASP. Ok. Ouais. Oh là là, Dominator GTX. Mais ça, c'est aussi. Par contre, il n'y a pas de nouvelle caisse, je crois. T'as trouvé des nouveaux véhicules, toi parce que je sais que les marques les ont sortis, je sais pas s'ils ont exposé dans le catalogue de jeux de. Je sais pas, j'y connais rien. Oh non, j'ai peur qu'il n'y ait pas les nouvelles. Oh mon bon vieux Bowler LE. Bowler hawaïen, il m'avait bien manqué. Hein. Il y a des trucs où je vois même pas les prix. Mais je le vois pas. Ouais. Les gars, est-ce qu'il y a les nouveaux? Ça, c'est un nouveau ou c'est un ancien ça? Nouveau ça, non? Il y a les nouveaux véhicules ou pas, les gars? La M3, elle est incroyable. Ouais, elle est incroyable. Je sais pas s'il y a les nouveaux véhicules. Ouais, ça, je crois que c'est des nouveaux, hein. Ouais, ça, c'est... C'est quoi, ça, la Cifer? Je sais pas. C'est bizarre. Je me souviens pas de... Non, non, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, par contre, Megan, ouais. Ah, ok. Ouais, ouais, c'est sûr et certain. Il y en a que je les avais jamais vus. Ah, la V. Oh! Il y a un Hummer. Où ça? Tu vas dans SUV et ma mode Patriot C. Moi, tu sais, là, moi, j'aime beaucoup les 4x4, les SUV. Tu sais très bien, cette famille. Oh, le Everon, il est sexy aussi. Ah, le Rebla de Kyle, le fiston. Bah, franchement, j'ai pas encore eu le coup de cœur là pour dans les véhicules. Hein. Moi non plus. Ah, je vais passer au sportif. Ouf. Oh là 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 là. Laquelle où tu ouvres le... va dans les enfin dans le catalogue des sportives, la première, la Growler, ouais. C'est une Porsche. Oh, ouais. Ah moi j'aime beaucoup hein. Mais il en faut pour tous les goûts, donc parfait. Oh gros les oh la Italie RSX. Ouh. Wow. Et tu penses quoi de la Cifer dans les sportifs? Wow, mais c'est quoi ça? C'est quel modèle ça IRL? Cifer, c'est IFEH. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, je m'en souviens pas l'avoir vu dans des catalogues. Donc je sais pas, faut voir une fois customisé. Oh. Parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps rouge et noir dedans. Oh la Comet S2, je kiffe. C'est un truc de ouf. Oh, il y en a une que j'aime bien, dommage qu'ils ont pas mis le prix. Dans les sportifs, c'est la Anis Remus.
Je nous verrais bien nous deux dedans là. Petite décapotable. Alors Vectre. La Vectre aussi, je crois c'est nouveau. Ensuite il y a la Gesteur RR. Oh là là, comment elle est énervée gros. Oh, la décapotable, elle est dingue. Moi j'ai pas vu, trop gros. Tardé. Ouais ouais, t'inquiète, t'inquiète. Eh ben on a quoi à faire après la Mégane? Ton permis. Tu l'as réussi du premier coup toi? Bah oui quand même. Ok. Ouais. Oh lolo. C'est quoi le oh là là? Sportive toujours? Ouais ouais, sportive. Non mais après moi c'est un truc de kéké un peu, tu sais, c'est nous les mecs. Mais y a une voiture, on dirait une... Dis-moi en, son nom. En Europe ils appellent ça la RS6. C'est la Obey Argento. Oh la RS6 frère. Oh la RS6 hawaïenne. Oh la RS6 hawaïenne. Écoute combien? Oh, 400k après. Oh. Ce truc aussi long là? Non, mais je dis kéké en RP, mais frère, IRL, c'est un truc de ouf ça. Ouais, non, mais c'est pour ça, ouais, c'est pour c'est plus un truc. C'est un truc plus en Europe, tu vois, nous ici, on a pas trop. Non, mais après, c'est pas bête parce que c'est familial. Ouais, c'est familial. Et du coup, si jamais il fait une mioche ou un mioche à Santana, et ben on pourra mettre le truc derrière et tout. Ouais, mais après, écoute un bras. On garde l'enfant. En plus, ouais, ouais non, c'est une break. C'est la sportive break la plus incroyable que je connaisse, perso. Dans le monde de l'automobile, c'est la meilleure. En vrai, ouais, y a pas mieux que la RS6 en break. Ouais. Parce que. Oh, et la nouvelle Buffalo, t'en penses quoi? Oh non, moi par contre, sportive. Je la trouve magnifique. Ouais, sportive. C'est la Bravado Buffalo. Bravado Buffalo. Elle Hound C'est la 22ème, ouais. Elle est belle, hein. Elle est belle. Ouais, ça j'aime bien. Oh, ah ouais, le prix. C'est abusé le prix, hein. J'espère qu'elle est customable pour ce fucking prix. Hein, ah oui, oui, franchement... oui. Il y a une Mitsubishi aussi. Parce que des fois, il y en a, elles sont chères, mais alors. Oh voiture, hein. Quoi, oh, attends. Regarde la Ubermatch Cyber Hatchback. Ah, t'aimes vraiment les trucs longs comme ça? Ah non, moi j'aime trop. Wouah, ça me fait penser au... Ça me fait penser à un mélange de la Sirocco et du Serian. Et on va pour tous les go. Oh. Ah non, franchement, il y en a... Oh là là, oh, j'aime trop. Oh là là là. Hey, Mégane, franchement, tu veux un conseil? Je pense va dormir, Mégane, il y a 77 véhicules, nouveaux véhicules. Donc, ouais. Et on en est qu'à la 25. On est qu'à la 25, ouais, 26. Donc tu sais, si tu veux aller dormir, je te comprendrai. Hein. Si tu veux même prendre ma caisse, je comprendrai aussi, je me démerderai. Je vais pas prendre ta caisse. Et comment tu vas faire pour dormir? J'attends que t'aies fini. Bon courage, Mégane. Ouais. T'es sérieux? Quoi? Mais vas-y, la regarde. Ah oui, oui, mais je regarde, je fais vite. Mais je les aime toutes, en fait. Celle-là, c'est la Straighter Break. Ah, elle est pas mal aussi, mais bon, pas fan. Celle-là, c'est la VSTR. Je crois que celle-ci, j'ai déjà vu. Sugoi aussi. La Sultan Classique, elle est pas mal. Hein. Oh là là, la Drafter de Kyle. La Komoda, je crois que c'était c'est la caisse à sa gonzesse. Ah, franchement, la dynastie, elle est pas chère, elle est mignonne et customable en plus. La dynastie, c'est dans quelle catégorie? Ah, sportif classique, tu vas rigoler. Dynastie? Oui, dynastie. Oh putain! Oh mais attends, il y a 4 places! Mais non, c'est pas possible. 4 places dans ça là? Ouais, il y a 4 places. Oui. C'est incroyable. Ok. On dirait les voitures de clowns. Là, je suis dans tout terrain. Alors, mais tu sais que sur cette voiture, sauf si je ne m'abuse, je crois, hein, on peut mettre un gros nœud dessus. Ah, mais c'est incroyable. Oh. Oh, les tout-terrains, il y en a des pas mal aussi, hein. Je te l'ai dit. Tu sais que j'aime bien le Hélion, moi, perso. Hein. Moi, j'aime bien le Coyote. Le Coyote? Ouais. Oh, de ouf. Ah, franchement, ouais, hein. Carrément. Ça m'embouche un coin, ça, le Coyote. Tu sais, je me verrai derrière accroché là, toi en train de conduire. Et moi, les cheveux dans le vent. C'est ça. Ok, et ensuite là, j'ai tout terminé. Le bénéfacteur aussi, il est bien. Il me manque quoi? Oh, t'as même deux marches pour monter. Regarde le bénéfacteur. Bénéfacteur? C'est un 4x4, ouais. Ouais, ouais, il est pas en mal, tout ouais. Terrain. Ah ouais. Ça, c'est le.
C'est en Europe, ils appellent ça le Brabus, je crois. Ok. Sur une arme, même le Evron, il est gigantesque. Ah ouais, c'est... ils sont incroyables, c'est hardcore. Que bon, le Caracara à la base. T'as vu, il y a des Formule 1. Oui, je sais. Ok, je... bon bah écoute. Mais ça, c'est pour les... voilà quoi. Pour les courses. Tu me ramènes? Ouais, je vais te ramener du coup. Véhicule compact, rien de nouveau aussi. Et véhicule utilitaire, ok. Bon bah écoute, c'est good. Vas-y, viens Mégane, je vais te ramener. C'est parti. La Brabus, qu'est-ce que tu racontes? Y'a pas des clagés en Brabus. Ouais, mais le plus connu, c'est le Brabus, c'est le Brabus clagé là. Tu l'avais laissé ouverte. Oh, tu me fatigues. Ah ouais? Non, tu sais que c'est normal si t'as le coup de barre, Mégane, parce que tout le monde là, et moi le premier, hein, sur cette période là, là, on est quoi là? On est mi-décembre. Tout le monde, ouais, le coup de barre est bien, bien vénère. Hein. Oh, c'est quoi les divisions que tu vas faire d'ailleurs? Tu m'en as pas parlé. Je sais pas, je verrai. Ok, ça marche. Et le grade que tu veux faire le plus haut, c'est quoi? M'en fous. Ok. Je veux juste bosser dans la bonne ambiance. T'as de la chance, parce que ton le père de ton gosse, il va être capitaine. Hein. Eh ben, il sera capitaine le jour où il saura fermer un véhicule. Ah merde. C'est bon, je l'ai ouais, fermé. Je préfère, ouais. Bonjour monsieur. Bon allez, je te dis bonne nuit. Bon allez, bonne nuit Mégane, dors bien. On va quand même un SMS quand tu vas te coucher, on sait jamais. Tu veux je t'accompagne dans ta chambre ou pas besoin? Non, 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 je suis allé dans ma chambre. Ok. Bah, c'était motivé, bah allez, bon, bisous, à demain. Ciao, à demain. Soir. Putain, bonsoir. Je l'ai ramené jusqu'à l'hôtel, elle m'a pas fait rentrer dans la chambre les mecs. Ah ouais, là c'est un petit problème. Là. Casse les couilles. Casse les sous. Putain. Ah mais ça c'est pas le meilleur micro. Fais chier. Mais t'as vraiment dit ça? Mais t'es sérieux? Hein? Et... Non, mais c'est parce que. Ah, je préfère. Oublie pas qu'on a eu un gosse ensemble. Alors t'es déjà rentré dans autre chose. Ah, je crois qu'elle t'a dit d'aller à la chambre d'hôtel. Je vois que les affaires. Tu veux pas la rejoindre? Elle t'a l'accompagner là. Les mecs, tu fais veux quoi? Pas la rejoindre? Tu fais quoi les mecs? Ah, moi j'ai tu l'accompagnes. Hein. Non, d'une pipe. Bah en fait, j'ai déjà un gosse avec cette gonzesse. Bah alors, je l'accompagne normal dans la chambre. Ils ont eu un deuxième. Jamais un 102. Jamais un 102. Ah, elle a un peu trop de caractère à mon goût. Hein. J'ai pas envie de me retrouver moi. C'est comme ça qu'on les aime les femmes. J'ai pas envie de me retrouver moi dans la peau, dans la mauvaise position quoi. Ah ouais d'accord. Mauvais quart d'heure. Ouais c'est ça. Moi je dis tu devrais tenter. Hein. Toi t'as entre les jambes, t'as pas d'yeux. Quoi? Est-ce que t'as entre les jambes, t'as pas d'yeux? Bonsoir les messieurs. Je vais vous laisser. Là vous me dites des trucs bizarres. C'est normal ça slingue par contre là. Ouais, oh l'odeur, oh l'odeur de merde. C'est qui a pété? C'est qui a pété? C'est vrai que ouais. William, ouais. Ça pue là. Non non non, je sais me retenir quand même. Oh putain. Ah. Oui. Bonsoir. Vous auriez un sou. Ah mais c'est lui. Oh sérieux. Oh mon pote. Ouais, monsieur. S'il vous plaît. Les gros bâtards. Vous auriez un sou s'il vous plaît monsieur. Je vais lui donner une canette, il me fait de la peine. Je peux pas rester sans agir, les gars. Oh, les gros fils de. Je retiens ma respiration, je vais lui donner une canette. Mon cousin. Vous voulez une canette, monsieur? Est-ce que vous voulez une canette, monsieur? Non, monsieur, vous pouvez. Mais si vous voulez, vous me donnez une canette. Monsieur, vous pouvez manger, ça on le dit pas, mais s'il vous plaît, prenez une douche au moins, quoi. Mais je veux pas avec mon cousin dehors. Là, je vais prendre une douche. Oui, mais d'accord. Écoutez, moi-même, je dors dehors. Il y a une baignoire dans l'hôtel. Ah, grave. Bonsoir. Je voulais mieux. Ah. Tenez mon brave, tenez. Tout le temps m'a dit il faut passer sous le bureau pour pouvoir avoir des choses. Y'a pas de bureau, y'a pas de bureau. Si vous voulez que je vous suce, monsieur. Non, ça va, ça va. Ça ira, merci monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Mange le burger. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oh là là, il a failli me sucer pour un burger, le mec. Il avait pas pris la canette. Moi, de base, j'avais ramené une meuf à l'hôtel, j'ai failli me faire sucer par un SDF. Ah, c'est dingue. C'est de cette putain de spécimen dans cette ville. Ouais, ouais, là c'est des spécimens. Bon, les mecs, je vais vous laisser moi. Bonne soirée. Ah ouais, et on se revoit à un de ces quatre. Bah, bon courage avec les femmes. À la prochaine. Pas merci. Facile, hein. Ouais, j'en ai un peu gros sur la patate facile, là. Ah, je en plus, la dernière fois, elle est partie avec un chinois en plus. Hein. Quoi? Ouf. Bah oui, à côté du Minko. Je le connais en plus, je le connais. Ouais, je vais appeler Svelte là, de toute façon, j'ai une petite histoire à régler. Merci, messieurs. Bah, ouais, là faut l'appeler là. Bonne soirée. A plus. Bonne soirée. Et on va l'appeler en FaceTime. Ah, j'y réponds pas le bouc. Stealth.
Et Chris Svelte, c'est comme ça que tu l'appelles. Ah, je l'appelle Svelte. Enfin, c'est pas son blaze, Svelte. Genre, c'est pas son vrai blaze, Svelte, Kylie. Dis-toi, je croyais que c'était son vrai blaze, Svelte. Moi, c'est pour ça que je l'ai rename volontairement de cette manière. Ah, c'est Sven. Mais c'est incroyable le rename que j'ai trouvé en fait. Svelte comme ça, c'est incroyable. Du coup, la hyène. Ah, la hyène aussi, putain. Bah, attends. Allo, allo, c'est normal, t'as le téléphone au volant, Brian. Attends, parle pas, je suis en train de faire un snap pour ma story là. Okay. Je suis en train de snapper mon volant. Je roule la balle là. Non, mais tu travaillais à la police, je pensais. Hein? Ouais, non, bref. T'es où toi là? Je suis au bingo là. Ah, t'es au bingo? Vas-y, tout à l'heure, tu m'avais dit que t'avais des trucs à me dire sur Megan. Ouais, bah attends, là, je vais passer mon permis, on se capte, c'est bon? Ok, je laisse. Attends, j'ai des emmerdes. Comment ça? Mais bon, retourne le tel. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Pense à toi, Svelte. Attends, t'es vers où? Tu veux que je vienne te sauver? Viens, je suis au Bingo Forum Drive. J'arrive, bouge pas, Svelte. Ok, je coupe la caméra. Dis-leur que t'es avec un ami de la police et que si. Je suis avec. Non, dis pas. Je suis avec un ami de la police, ok? Ça oh, fait oh, non. Chose... oh non. Oh non, Svelte. J'aurais jamais su dire ça. Mais non, c'est la merde. Oh non. C'est bon, je vais couper le contact s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Non, je suis plus flic. Je suis mort. Ils ont des véhicules et mettez-vous sur le trottoir. J'arrive. Monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Bonsoir. Mon collègue va s'occuper de vous. Ouais, je suis désolé pour l'excès de vitesse. En fait, j'ai un ami à moi qui est au niveau de Forum Drive, au niveau du bingo. J'étais en FaceTime avec lui. Et d'un coup, j'ai vu qu'il s'était fait agresser par une batte de baseball. Et il est tombé au sol. Et quand il a raccroché, j'ai mis les pleins gaz pour aller l'aider, le secourir, quoi. Après, c'est plus judicieux d'appeler directement. Mais ça s'est passé en même temps que justement, j'étais tranquillement là en train de regarder les véhicules au concessionnaire. D'un coup, je reçois l'appel, je garde le FaceTime, téléphone au volant et tout, quoi. J'étais complètement dans la panique. Hein. Et puis quand je vous ai entendu, j'ai raccroché. Vous avez votre permis de conduire? Alors pareil, ça, j'ai tout laissé à l'hôtel j'allais tout faire, tout boucler, tout mettre en ordre aujourd'hui, quoi. Parce que j'ai passé le permis très récemment, mais j'ai pas encore eu la signature et le cachet. Oh putain, j'ai un... Donc que vous avez une pièce d'identité au... Ouais, bien sûr, j'ai une pièce d'identité. Mais non. Oh là là, ouais, j'ai tout oublié à l'hôtel, je suis désolé. Mais Brian Anderson, Brian Anderson. Ouais, officier ou LSPD. Ah. Ouais. Vous avez été recensé ou pas? Justement, je suis complètement débordé, il faut que je fasse tout ça, quoi. Ok, très bien. Je vais dire mon collègue du coup. Oh là, 327, il est pas recensé donc tu le trouveras pas. Ouais. Ah merde, ouais, non, mais de toute façon, je vais aller me recenser là dans la soirée là. Pas de soucis, vous êtes à la maison. Ok. Faites juste gaffe parce que bon, voilà. Ouais, bien sûr, c'est gentil. Merci les collègues. Écoutez, je vais au niveau du bingo. Si jamais vous voulez me suivre, c'est pas de refus. Hein. Discrètement. On va y aller, on va vous suivre. Discrètement si possible. Merci beaucoup. Mais très bien. Let's go, je ramène les keufs. Svelte est dans la merde. Ok, let's go. D'ailleurs, t'as envoyé le rapport en RP? Ouais, me l'a envoyé. Non. Jury à la police. Ah, oh, je suis mort. Allô. Allô? Svelte, qu'est-ce que tu fous? Ils sont en train de m'accuser de que je voulais draguer une mineure. T'inquiète, j'ai ramené les flics, t'inquiète. Cours juste vers les flics. Non, je te dirai jamais. Cours vers les flics, t'inquiète. Vas-y, Merci Grenouille pour le 4ème mois, merci mon gars. Merci beaucoup.
Salut le livreur, alors ça livre. C'est qui a parlé là? C'est moi. T'es où? Là. Où là? Merci Jaratroucha, let's go le 20 chez moi. Devant toi. Ah ouais, bah rentre dans le magasin de vêtements, il ressort vite fait. Bah, j'aime bien la chaîne elle est magnifique. Ah ouais, y'a du monde ici hein. Et bien sûr y'a du monde, tu crois quoi? T'as un bingo réputé. Ok, ok. Putain, j'en ai marre. Non mais attends, mais je sais pas. Vas-y, Scotty. C'est pas le mec qui avait des bactéries dans les cheveux hier? Ouais, ouais, c'est moi, ouais. T'as vu là, j'ai arrangé ma coupe. Ça va aller, Svelte? Par contre, t'as pas. Ah oui, d'ailleurs, ta coupe elle est beaucoup mieux là, Brian. Ouais, merci. Accélère. Monsieur, par contre, j'avais un œil. T'as été où pour te faire coiffer? Putain, moi aussi, je cherche un coiffeur là. Ah ouais, c'est incroyable. Pour le coiffeur, tu vas sur internet? Ouais, j'en ai besoin là, j'en ai besoin. Tu vas sur internet? Qui a besoin de coiffeur là? Moi. Vas-y, j'ai un numéro. Vas-y, je t'écoute. Après, si jamais monsieur, vous avez juste à ouvrir votre application internet. Hein. 43 308. Par contre, si tu me fais penser à qui, mec? Vas-y. À qui 50 Cent année 2010. Ou c'est qu'il faisait un clip là. Dans attends, un clip, Svelte. Il a la même dégaine. Avec moi, Svelte. It's your birthday. Ouais, it's your birthday. It's your birthday. Putain, je devrais faire des bêtes de showcase, moi. C'est super, bonne journée, bonne soirée. J'y vais, les gigabégés, bonne nuit, bonne stream. Ouais, moi aussi, je pense que je vais. On va être bon pour aujourd'hui. Globalement, on a quasi tout fait. Là, je pense qu'il manque juste le permis que je vais aller passer là. Et puis après, on sera good. Ouais, Steve. T'es parti où, Brian? Je t'ai dit, je vais aller passer mon permis avant. Ah ok. Mais et comme j'ai vu qu'il y avait du monde et tout, je me suis dit bon attends, je vais passer mon permis d'abord. Et comme quand j'ai vu que t'étais en sécurité, je suis reparti. Moi j'ai fait le détour juste pour te sauver hein. Putain, t'es un vrai pote. Ah bah ça Steve. Tu sais que moi l'amitié c'est une valeur importante. Tu sais que ça me fait. Et bah moi aussi, bah c'est pour ça que je te laisse passer ton permis et après on va dans un coin neutre et je dois te parler de quelque chose par rapport à Megan. Ok, vas-y, c'est gentil. A tout à l'heure Steve. Vas-y, à toutes. A toutes. Elle est où la caisse? T'en restant. Ah, c'est avec ma caisse! Attends, mais après, je suis niqué moi du coup. Mais moi, après, pour rentrer, je fais comment? Alors là, je pige pas là. Vite. Non, faut pas que j'aille vite parce que si je fais un accident, c'est mort. Tu vois, gros là? Si je fais un accident, c'est mort. Faut pas que j'aille trop vite non plus, les gars là. Faut que je sois focus là. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi être focus. Hein. Ok. Ok, doucement, tout doux. Oh, let's go la musique. C'est mal les bruitages. Ok, là je peux accélérer un peu là, je pense. Non, y'a le LSPD. Comment je suis focus gros là? Ah, je conduis comme un enculé, mais au moins je vais être à l'heure, je pense. Il reste une minute. Merde, je me suis raté la route. Faut que je prenne un raccourci. Merde, le LSSD. Il me reste 50 secondes. C'est bon, c'est win. Et j'y vais même en drift.
Attends, mais. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, frère? J'ai joué ma vie, gros. Ah ouais, là je pige vraiment pas, tu vois, là pour le coup là. Là ça doit être bien buggé hein. Là ça doit être bien buggé. Bon bah écoutez, pas de permis hein. GG à tous, je me suis donné je me la suis donné pour rien. Alors du coup son hume c'est 5, c'est 21,95 Asvelte. What? Ouais, une musique Harry Potter. Ah non, c'est 52 avant. Allo Svelte. Ouais Brian. Ouais, t'es où là? Parce que moi faut que j'aille dormir, donc vas-y viens, on se voit vite fait là. Vas-y, j'arrive. T'es où là? T'es vers où? Je suis au LTD. Ouais, au LTD de Los Santos. Ouais, le LTD normal. Ok, j'arrive. Combien de joueurs co sur le serveur? Bonne question, 300. Mais ça fait plaisir 300 par contre. Eh, ça te fait pas plaisir quand même de voir de revoir autant de monde de... Je te jure, ah, ça moi fait ça m'avait plaisir. Manqué Los Santos hein. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis c'est ça bouge de partout, c'est vivant. Ouais, je te jure. Ça, non, franchement, c'est impressionnant. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Genre, faudrait qu'on aille faire une bouffe et pendant que tu me racontes tout ça là. Tu connais un bon resto? On aille bouffer quelque chose. Attends, je vais regarder. C'est trop kiffant de regarder sur le web, bordel. Conduis, Brian, je vais chercher. Il y en a deux d'ouverts. Il y a le Salestri et le Vetnian. Va ici, va où je t'ai. Attends, je vais mettre l'adresse sur le GPS. Ok, vas-y. C'est bon, je t'ai mis l'adresse. En un clic, t'as mis l'adresse sur le web. Ouais. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle la vie quand même. La technologie me dépasse, Brian. Même moi, tu sais que moi je suis dépassé. Hein. Moi j'ai bientôt la quarantaine là, mon vieux. Autant te dire que tout ça là, c'est. Waouh. Mais ça te fait quel âge? Parce que j'ai pas vu le temps passer, Brian. Ça me fait pas mal d'années quoi. T'as arrêté de compter? Ouais, j'ai arrêté de compter, c'est ça, on va dire ça. Ah ouais, non, mais je vais te dire quelque chose, t'as très bien vieilli, ok? Ouais, non, mais tu sais que toi aussi, hein, t'as pris un sacré coup de vue. En fait, c'est la calvasse qui fait que. Parce non. Que avant, avec tes cheveux longs là, c'était quelque chose, hein? Oui, mais. Ça, c'était quand j'étais jeune, ça, je plaisais aux femmes. J'étais un tombeur. Là, tu. Là, je tombe. Ouais, là, tu tombes tout court, là. Il est encore loin ton resto? Non, il est très proche. Ok, oh, putain, il y a du monde aussi ici à droite. Ah en oui, fait, il y a mais... du monde partout, hein, c'est impressionnant. Hein. Je te jure que ça me fait trop plaisir. Même là, il y a du monde à droite. Il y a un peu de monde partout. C'est ça. Tout le monde est regroupé. Tu vas à l'hôtel, tu croises un bon paquet de monde aussi. Ok, bon, ouais, on a. D'ailleurs, faut que je te parle d'un truc à l'hôtel. Enfin, d'un truc qui s'est passé à l'hôtel. On va en parler derrière une bonne bouffe. Ça gaze la pistache. Bonjour mon brave. Bonjour. Et tu m'as ramené dans le seul resto où il y a personne. Si, t'inquiète. J'ai... Ah si, bon, il y a un peu de monde. Bonjour. Pas l'occasion, ouais. Dans l'absolu. Bonjour. Ouais, il faut remplacer, j'ai ce qu'il faut. Bonjour. Vous, bien. Vous avez une place pour deux personnes, s'il vous plaît? Une table pour deux bien personnes. Bien sûr, venez. Qu'on aura besoin, bah ouais, c'est bon à savoir, ça vous est. Vous pouvez vous installer juste ici. Ok, merci bien. Très bien, merci. Vous allez bien sinon? Ça va très bien, merci, nickel. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer à la carte aujourd'hui, monsieur? Oh, pardon, désolé. Alors, monsieur, je vais vous tendre la carte. Voici. Nous avons donc des lasagnes, du steak haché. Moules frites, on en a plus, excusez-moi. Boisson. On a des jus de carottes si vous voulez, ou de la Jupiler, okay. C'est un peu amer. Et voilà. Très bien. Pour moi, mettez-moi le plat du jour. Ouais, moi aussi, d'accord. Je vais prendre un plat du jour avec un Jupiler, s'il vous plaît. Ok. Pareil. Merci bien. Pas de soucis, j'arrive. Merci bien. Bon, du coup... Vas-y, raconte-moi là, parle-moi de Megan, parce qu'en fait, je t'explique. Moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises, tu vois, là, depuis que je suis arrivé à Los Santos. Je vois vraiment plein de nanas jolies et puis
Le problème, c'est que je suis marié, j'ai un gosse, tu vois, donc. Et je suis loyal à Mégane. T'as plus l'âge où tu peux bifurquer et tout ça, tu vois. Ah ouais, non, j'ai plus l'âge pour ça, tu vois. Donc. Ça, je me rappelle, c'était à l'époque. Qu'est-ce que tu gérais des gonzesses? Ah, tu sais, oh, nous, c'est de famille, nous. Hein. Oula, qui c'est ça? Vous avez bien reçu? C'est bon, bonsoir. Merci. C'est okay, sur la table. En vous souhaitant un bon appétit. Monsieur, du coup. Oui. Bonjour, monsieur. Voici pour vous. Comme monsieur. Merci beaucoup. C'est vous de la cacahuète? Et voilà. Je vous remercie. Très bon appétit. Merci beaucoup. Merci pour le service. Après, manger, on pourra aller se faire un petit bière là-haut. Du coup, on nous aide. Oui, c'est ce que j'ai cru entendre. Okay, vu que vous avez consommé, c'est gratuit. Ok, parfait. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Super service. Merci. Merci beaucoup. Du coup, ouais, tu me disais, Megan, qu'est-ce que t'as vu la dernière fois là, à l'hôtel? Écoute, je vais te dire un truc et je veux vraiment pas que tu t'énerves et que tu fasses des décisions, voilà quoi. Tu prennes des décisions trop rapides et à chaud. Moi, je sais juste que ce matin, je suis allé me renseigner à l'hôtel. Ouais. Et en sortant, j'allais à la location de véhicule et j'ai croisé un camion blanc. Il y avait des vitres, je voyais, et à l'arrière, il y avait deux hommes qui avaient l'air très charmants. Hein. Salut, man. Bonsoir. Je peux avoir un truc à boire. On coupe la parole. Deux hommes à l'avant et à l'arrière, j'ai cru voir Megan. Ouais. Et ben alors, elle a le droit d'avoir des potes. Et les mecs, ils avaient pas l'air très bienveillants, quoi. C'était pas des bikers, par hasard? C'était pas des bikers. C'était des mecs, tu vois, comme t'as croisé au bingo. Non. Je te jure. Et elle était à l'arrière. Elle a pas parlé, par contre. Elle était derrière. Elle était timide parce qu'elle m'avait reconnu, tu vois. Tu peux pas manger la viande. Elle m'avait reconnu. Et du coup, je vois. Bah, je directement pensé à toi. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fout dans un camion avec deux hommes. C'était pas non plus... elle travaillait à l'SPD. C'était pas non plus des... Voilà, tu reconnais les mecs bienveillants et les mecs qui font n'importe quoi. Ouais, je vois. Et en gros, elle était avec deux mecs à une influence un peu bizarre, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et tu sais, ils sont allés vers où ensemble et pendant combien de temps? Et voilà pour toi. Tout va bien, messieurs, pour vous? Il me semble que je les ai croisés. Tout va bien, merci beaucoup, c'est nickel. Parfait. Très bon service. Il me semble qu'ils étaient en mouvement, tu vois. Ils sont pas arrêtés à un endroit spécialement. Du coup, moi, je les ai croisés trois fois en 15 minutes. Ouais, ok, je vois. C'était vers quelle heure? C'était à 19h30. Ouais, je vois. Ah bah écoute, j'aurai une discussion avec Megan. Prends pas de décision à chaud, essaye de réfléchir au... Non, mais pourquoi tu sais, comment, tu vois. Non, mais tu sais que, je veux dire, si Megan elle est avec d'autres mecs, elle traîne avec d'autres mecs, moi ça me permet aussi à moi d'être avec d'autres gonzesses. Hein. Donc c'est ouais, même un mal. Essaye de prendre la bien, situation hein. À ton avantage. Hein. Ah oui. Hein. Ah ça c'est clair, mon pote. Oui, si elle pense qu'elle va gagner la guerre... Je voulais vous poser une petite question. Oui, dites-nous. Oui, mais... Pas paraître désobligeant, mais comment on fait pour pas avoir une calvitie comme la vôtre? Comment ça, je comprends pas là. Bah écoute, si tu veux. Non, mais regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Au moins, vous comprenez un peu la vie, puisque j'ai l'impression que vous venez de sortir du berceau. J'ai 18 ans. Vous venez de sortir du berceau, c'est ça? Vous êtes en stage ici? Non, je suis employé. Très bien. Bah, je suis content pour vous. Écoutez, ce que vous voyez sur au-dessus du caillou, c'est volontaire, ok? D'accord. C'est pas une calvitie. Mais vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est volontaire. Bien sûr, c'est votre choix. C'est mon choix. Si je laisse pousser, j'ai plus de cheveux que vous. Ah. Non, c'est volontaire, c'est une coupe. Ah, ok. Oh, c'est pas une calvitie. C'est du style. C'est du style. Bien sûr, ok. J'avais pas compris. C'est que vous connaissez rien au style. Là, vous manquez de respect, jeune homme. Ah non, ça me touche, là. Dites-moi, jeune homme, avant que vous partiez, vous avez une gonzesse, vous? Guten Tag, messieurs, dames. Bonjour. Bonsoir, les collègues. Je l'ai jamais fait. Ah, bah écoute, tu sais, jeune homme, moi j'étais comme toi jusqu'à mes 30 ans. Ah, bon, attends, il va nous. Ah non, putain, c'est pas possible ce que je dis là. Oh merde! Ok. Vous êtes maladroit, vous avez plein de sauce tomate sur la tête. Ouais, un peu maladroit. Vous avez pas une serviette là que je m'essuie et que j'aille faire un petit bière? Si. Kit de l'off, c'est toi? Oh, salut, William, ça va? Ça va et toi? Merci bien. Quel hasard de te retrouver par ici. En tout cas, c'était très bon, je vous remercie. Bah, de rien. Je vous attends à caisse. Hein, je suis en bonne compagnie. Ok, on règle maintenant ou après le billard?
Bon bah bon appétit. Comme vous voulez. Ouais, je vais régler après le billard, ça vous dérange pas? Ok, pas de soucis. Là je vois qu'il y a du monde. De quoi il y a un billard? Je te dépose où? Vas-y. Mais tu veux pas rester? On m'appelle. Bah reste ici, reste ici, moi je rentre à l'hôtel. Bah ouais, pose-moi à l'hôtel. Ah ouais? Tu vas dormir toi aussi? Attends, on m'appelle, je sais pas c'est qui. Allô? C'est incroyable quand même de dormir toujours dans un lit et tout. Allô? Mais putain, mais le RP a pris tellement une claque en fait avec cette V5. Allô? C'est qui? Ouais, Svelte, tu peux prendre le bus ou pas? Ouais, je m'appelle Sven. Fais chier. Oh merde, on a oublié de payer Svelte. Je sais pas, pourquoi? Oh la sauce! Comment tu t'appelles? Siza? Ok, je t'appelle Siza. Ok. Putain, on a oublié de payer. Oh merde, mais là je suis trop loin pour faire demi-tour en plus. Ouais, laisse tomber. On va dépenser plus d'essence en faisant demi-tour qu'en... Ah, rentrant à la maison. Attends, ah, bah voilà. Salut Naira. Hola. Tu te rappelles de moi? Très clair, on s'est vu tout à l'heure. Salut Naira, et toi, est-ce que tu te rappelles de moi? Je pense pas que tu vas te rappeler, hein. Parce que j'avais pas du tout la même coupe de base, ni le même style. Très bien. Voilà. C'est tout. Alors, Brian? Ouais, incroyable! Ça fait plaisir que tu te rappelles de moi, Naira. Bon, ben, on vous dérange pas plus. Claire. Je monte dans ma chambre. Ben, en vérité. Ouais, dis-moi. Vous voudriez. Ah, vous partez dormir combien? Non, dis-moi, il y a quelque chose comme service à faire. Ouais, parce que mon pote là, mon pote Steve, il est là. Hein. Il est dispo non, toute la soirée. Non, c'est pas dormi, c'est pour les seigneurs. Ah, c'est quoi? Dis-moi, ah, dis-moi. Je suis malade. Moi, je vais pas dormir. Oh là là, comment dis-moi, c'est quoi le service? Dis-moi, c'est quoi le service? C'est pas cool ça. Comment j'ai sommeil là, de ouf. On t'a aidé tout à l'heure. C'est quoi le service? C'est quoi le. Tu vas prendre un service? C'était sérieux. Pour moi, pour. Comment je me taille, frère? Et puis voilà. Et écoutez, c'est après un bon live quand même de presque 6 heures. En vrai, il a duré pas mal longtemps. Et avec aucun cut, que nous terminons la journée d'aujourd'hui en beauté et dans son lit. Et ça va. Yes.